Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Hier, je vous ai montré comment installer manuellement, j'insiste bien, manuellement, donc ZSH plus OMI ZSH. Je vous avais également parlé de l'article de H. Michael de TronicsWorld.be, un article bien détaillé, mais je n'étais pas au courant que notre ami H. Michael avait créé un script d'installation automatisé de ZSH et OMI ZSH et de Power Level 10K. Ok, d'ailleurs, j'ajoute une remarque à la description de la vidéo. HMichael propose un script d'installation de ZSH plus OMI ZSH. Ce script est valable pour Debian, donc Ubuntu Mint, pour Arch, donc Manjaro, pour Fedora, donc CentOS, et Solus. Le voici. Donc, oui, voici le script. On peut voir qu'il y a l'installation du paquet qui s'effectuera selon le type de distribution. Hein, donc Debian, Arch, Fedora, Solus. On peut voir l'installation des polices via une archive zip qui se nomme hack. On peut voir le changement de shell par défaut. Donc on passera de bash à ZSH. On peut voir qu'il y a un backup qui s'effectuera du fichier de configuration ZSHRC vers ZSHRC.backup. On peut voir l'installation de OMI ZSH, donc du thème Power Level 10K et de certains plugins. On peut voir ici OMI ZSH, on peut voir le thème Power Level 10K et on peut voir les plugins autosuggestion, complétion, syntaxe. Ça ici, c'est le fichier de configuration de OMI ZSH. Voilà. Et dans le bas, ça dit, ben voilà, un petit message, c'est fini. Il suffit de vous déloguer et de vous reloguer. Ok, donc je vais télécharger ce script. Voilà, je le place sur le bureau. Voilà, c'est fini. Il est là. Donc je vais démarrer une machine virtuelle, la même qu'hier. Donc Linux Mint 20 XFCE architecture 64. Bon, là c'est démarré. Hop là, j'ai besoin du script. J'ai dit j'ai besoin du script. Voilà. Évidemment, la VM est partie sur l'autre écran. Voilà. Je démarre une instance terminal. Affichage, zoom avant. Voilà. On se rend au bon endroit. Donc, ls. C'est des bureaux ls. Alors, on va faire un chmod plus x sur le script. Voilà. ls, on peut voir que le script a les bonnes permissions. A les permissions. Et je vais lancer le script. Non pas avec sudo espace point slash et le script. Non, non. Je me passe de sudo. Sudo, sudo. Voilà. Mot de passe du Seigneur qui va bien. Et c'est parti, vous allez voir. Ça va très vite. Ensuite, on se déloguera, on se reloguera. On aura une série de questions. Série de questions qui vont nous permettre vraiment de personnaliser aux petits oignons le thème Power Level 10K. Maintenant, moi, je vais aller très vite. Hein. Je vais répondre très vite. Sinon, maniaque comme je suis, je vais prendre une plombe. Voilà, téléchargement de l'archive zip hack qui contient les polices. Polices spéciales qui vont permettre l'affichage de petits dessins. On peut voir le téléchargement des plugins de OMI ZSH, du thème Power Level 10K. Voilà, c'est fait. Juste un exit. Ok. Comme je l'ai dit, donc on se délogue. Voilà. Oh. C'est simple quand même, c'est génial. Donc vous irez dire un grand merci à notre ami H. Michael. Et là, regardez. Hop. Une instance terminale. Ouais. Affichage, zoom avant. Affichage, zoom avant.
The Moment. Voilà, une série de questions. Donc, est-ce que vous avez like a diamond? Oh, je vais faire yes. 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 Oh. Bon, alors ici, je vais prendre quoi? Je vais me prendre le 3. 3. Ici, je vais prendre le 1. Là, je vais prendre le 2. Là, je vais prendre le 3. Le 1. Le 3. Le 2. Le 3. Le 4. Le 1. Le 2. Le 2. Le 2. Alors, yes. Le 1. Oh, c'est terminé. Et que c'est bon, regardez, il y a même le petit logo. Le petit logo de Mint. Oh, c'est cool. C'est cool. Voilà. Je sais pas moi. LS. Voilà. C'est des bureaux. LS. Je sais pas moi. Sudo. Regardez, voilà. L'autocompression. C'est génial, hein. J'ai fait AP. Il me dit OK. AP quoi? APT. Install. Regardez, on va faire ZR. ZRAM. TO. Tools. Oh, c'est beau. Splendide. Magnifique. Voilà. Grâce à ce script, vous avez ZSH. Oh my ZSH, Power Level 10K. Tout est bien paramétré. C'est cool, hein. C'est génial. Allez, moi je vous dis bye bye, à une prochaine. C'était Annie pour Blabla, Linux. Allez, ciao, ciao.